suis Monsieur Henri Matip du groupe AICP, qui est une société de gestion des médias. Je crois que le thème de ce colloque est pertinent. Ça retrace des enjeux multiples qui peuvent permettre aux professionnels du 7e art de pouvoir vivre de leur art. Parce que le rôle d'un métier comme le cinéma, c'est de permettre à ces professionnels de pouvoir vivre leur bout du tunnel. C'est pourquoi il faudrait réfléchir sur les réformes structurelles, c'est-à-dire les réformes liées par exemple à la réforme curriculaire, c'est-à-dire l'intégration du cinéma dans le système d'enseignement à partir de la base, c'est-à-dire du secondaire. Il y a des réformes juridiques, c'est-à-dire l'État en partenariat avec la société civile, ils peuvent reformer ce secteur pour permettre à ce secteur d'apporter une valeur ajoutée dans l'économie nationale. Je crois que le ministère de la Planification, qui venait de faire un document de prospective, devait intégrer les actes de ce colloque pour qu'on intègre la dimension culturelle du développement dans la prospective camerounaise. Parce que, selon mon entendement, la culture ou le cinéma a un apport dans le cadre de la croissance de notre économie nationale. Et je crois aussi que le cinéma peut aider à anticiper sur l'évolution d'une société comme la société camerounaise. Pourquoi pas utiliser les cinéastes ou les professionnels de l'audiovisuel pour faire des films sur la prospective du Cameroun, c'est-à-dire comment peut être le Cameroun à l'horizon 2035. Il faut des films sur ça. Vous avez vu par exemple notre chef d'État qui a élaboré un document qu'on appelle le Cameroun des grandes ambitions, qui faisait partie intégrante de sa politique lors des dernières élections présidentielles. Je suis surpris qu'aucun cinéaste camerounais n'ait eu l'intelligence ou une inspiration pour matérialiser cette vision politique par rapport à un film documentaire. C'est là aussi où le cinéma peut avoir un apport pour valoriser l'image d'une nation. Je crois aussi que le cinéma peut être un instrument de souveraineté parce que les batailles diplomatiques se passent par les images. Et les États du monde comme la France, les États-Unis, ils se servent du cinéma pour faire le challenge avec les autres pays. Pourquoi pas s'approprier de cet instrument de souveraineté qui est le cinéma pour vaincre dans les nouvelles batailles? Et pour en arriver, il faudrait vraiment travailler sur le plan de la formation, c'est-à-dire soutenir le secteur, avoir des écoles de qualité, avoir des ressources humaines, planifier le secteur par des politiques publiques qui sont partagées par la collectivité. Je crois que c'est par cet effort qu'on pourra aider cette société du 7e art à pouvoir se relever.